tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Total War Warhammer 2 en coopération avec Martin. Hello. Coopération contre vampire où on va affronter notre première grosse bataille. On va faire notre première grosse bataille, pardon. Une grosse bataille de gros caca, ce qui a rien. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu vas me donner? Bah, je vais te filer les loups. Bah, que ça, hein. Tu veux gérer le seigneur? Je te file le seigneur. Ouais, fais-moi le seigneur. Tu soigneras ce qu'il faut soigner. Donc du coup, on était resté au dernier... Ah, vas-y. Ouais, vas-y, je pense que je vais mettre une garde des cryptes au centre de la frontline. Ouais. Oui. Donc on était resté au dernier épisode avec avec le début du let's play, donc où je vous présentais le fait qu'avec Martin on redécouvre un petit peu la faction contre vampire depuis son rework, bon un petit rework hein. Et donc du coup ben on va pas tarder à y aller. Il y a des renforts qui arrivent derrière mon Martin. Est-ce que tu veux que je contrôle une petite partie de l'armée En gros je contrôle, tu me donnes une petite partie de ton armée, je la fous derrière et puis je contrôle les loups après. Je pense que ça devrait suffire. Je sais pas ce qui arrive derrière en fait. Ah, il y en a au moins. Bah, ils peuvent tous arriver derrière les renforts. Hein, donc il y a au moins. On va dire parce que t'as la garnison d'armée qui arrivera devant, puis t'as les renforts qui vont attaquer dans le dos qui arriveront. Tu penses? Ouais. Écoute, je peux faire une ligne de mêlée devant, puis on déglingue, on se retourne. Faut essayer de faisable. Non, moi je pense qu'il faut les intercepter. Ouais, je pense que je vais faire une ligne de zombies pour les engluer. Et derrière, une ligne de guerriers squelettes. Avec des machins sur les côtés. Toc. Là, je s'arrête ici. Je te file ça et ça. Je pense qu'il faut les lâcher si possible. Bouge le seigneur quand même. Ouais. T'es prêt? Ouais, vas-y, go. Il y a pas grand chose. Non, ça va arriver. Je vais booster l'attaque en mêlée des gardes d'équipe vu qu'ils sont au cac. C'est du zombie, du guerrier squelette et du zombie. Son cac garde des cryptes, ouais. Dégâts. Fais gaffe à tes chiens. Ouais, t'inquiète, là. Il y a que je gère en fait. D'ailleurs, je vais trop passer Ghost. Ghost. Si tu veux. Je vais me concentrer sur eux. Tu mets les perfs, hein, sinon je dois attendre 10 tours, c'est chiant. Je suis en train de les encercler là, enfin, encerclement qui va. Si en fait, repasse-moi une Herman Gorst. Ouais, je te passe. Allez. On va l'avancer histoire de donner la zone de commandement ici.
je vais me faire intercepter par les loups funestes. Mmh. Je les ai encerclés là. En fait, c'est leur corps d'armée principale qui arrive. Ils sont plus rapides que moi. Ils ont peut-être été boostés par la. Par la danse macabre. Non, oh, je vais perdre les loups funestes. J'arrive. Je vais booster leur vitesse là, mais. Oh, c'est compliqué. J'appelle. T'arrives à les intercepter. J'envoie des guerriers squelettes là. Nickel. Voilà, intercepté celui-là. Nickel. Parce qu'on va être taille-toi quand même de la ligne de bataille. Hein. Pas trop le fou avec. Ah là, j'ai réussi un bel encerclement. Encerclement qui va bien. Par contre, si t'arrives à. Putain, j'ai des souris sur Elmarn Gorst quoi. Je vais me remettre au cac pour le commandement. Ouais, ça fait décharge et recharge. Ah, j'ai pas d'unité de zombie. Le char, la charrette. Ouais. Loup funeste sont captés. Replie un peu tes loups funestes là, ils sont trop chers. Ouais, je les régène là. Laissez dans un coin attends qu'il régène bien. Oh, il y a plus de chauve-souris. Ça, il y a la frontline du côté droite là, enfin gauche pour nous qui entre. De franchir. Il est où, seigneur ennemi ? Il y en a deux. Il y en a un qui est. Ah oui. Qui... Puis il y en a un qui est par là. Je crois. Ouais, il est là. Ici. Mais ça se passe bien. Là, le centre est en train de se désagréger. Ouais. Bon, sûrement. N'hésite pas à soigner les loups. Hein. Ouais, j'ai fait que ça depuis tout à l'heure. Ah, ça se désagrège gentiment. Allez, dans combien de temps on a le 6ème là ? Voilà, go. Trois régiments qui arrivent, attention.
Ouais, j'ai vu. J'arrive pas à les sortir. Hein. Ils sont en train de cramer au niveau du commandement là. Hein. Qui ça? Les loups funestes. Les cas? Bah, le problème c'est qu'au niveau du commandement, je vais les laisser dans la mêlée à côté du seigneur, mais. Rapproche les deux de la berne. Ouais. Il booste un peu, il devrait aussi. Ouais, mais il y a plus de vent de magie là. Ouais. T'en as pas non plus, t'as 3 vents de magie toi aussi non? Ouais, c'est pas assez, c'est comme. Ouais, ça a flanché quand même. Le problème c'est que là, leur commandement il est complètement pété en fait. Je peux plus rien faire. Faudrait qu'ils arrêtent de. Oh, faut que je les dégage de là. Allez, ça a l'air d'aller mieux là. Ouais, faut laisser de côté. Tu les fais fuir si jamais tu les sors de là. Pas si tu vois que ça craint trop. Putain, elle est longue pour pas grand chose, c'est pas. Parce qu'après, tu dois avoir attaqué. Non, normalement, je prends la ville et tout qui meurt. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Ah, mais sors-moi, c'est le finesse de la carte avant qu'il meure. Le jeu en vaut pas la chandelle, elle est gagnée la bataille là. Ouais, je les ai mis en retraite là. Bon, ça, ils reprennent du commandement. Hein. Ouais, mais attends, laisse-les se reposer un petit peu quand même. Rien de les perdre comme surtout à ce stade. Ouais, je vais envoyer Kemler là-dessus. Enfin, Kemler. Tu veux que je les mette en retraite, les Loufines là? Je voulais en retraite. Je les sur le terrain, mais tu les. Ah, bah, je les ai mis en retraite là. Ils sont partis. C'est pas vrai. Bon, ça va plier. De toute façon, la Zegli de Van Brucker va péter. Il y a un deuxième. Ah, c'est fini. Ouais, mais là c'est en train de finir là. Ouais, ça plie. Ça y est, Zulig il va pourrir. 200 plis. Zelig. Allez, meuf. Putain, il a récupéré du moral, il est resté 40. Bien. Ouais, tu vois, ça plie. Allez, ciao. Il reste 8 heures. Putain.
Auto. Oh là là. Bon, on n'a rien perdu d'important. Du coup, non. C'est bien. Ils ont perdu leurs deux armées. Ouais, ils ont tout perdu, hein. C'est ça qui est bien, tu vas pouvoir prendre la ville gratos. Tout à fait. Se lève à nous. Oh bah 1000 de thunes quand même, hein. C'est pas mal. Et pour commencer, c'est pas mal, hein, ouais, effectivement. Tcho, bonne chance ta mère. Ouais, voilà, t'as pris tes deux gros trucs. Non, mais attends, faut juste que je me régène pour attaquer Walden, et puis ce sera vrai. Ah, on t'attaque. Ouais, c'est pas grave. Elle est pas jouable celle-là? Non. Ils ont un seigneur, j'ai rien. Ah oui, c'est ça. J'ai perdu de la caillasse du coup, quand même, dans l'histoire. Je suis en train de construire un bâtiment. Ah ils prennent pas, tu vois. Ils prennent pas, bon. Ah, je pense que le démarrage avec la faction que t'as choisi, elle est... elle est pas évidente, ouais, mais c'est pas grave. Si dès que j'arrive à prendre Artois et que j'arrive à prendre Marienbourg, c'est bon. Ouais, une fois que t'as Marienbourg puis Artois, après tu te développes. Et puis c'est bon. C'est vrai. Ils m'ont mis à sac. Ils sont en mode marche. En auto, ouais, ouais, tu vas peut-être perdre des zombies donc je perds pas les cavaliers là, ouais, ou les specs, rien, ouais, c'est bien, ça te fait XP. Il y a du monde à Artois. Je vais juste me remettre en mode. Attends, oh putain, j'ai. C'est bon, pardon. On va faire comme ça. En mettant son territoire pour régénérer. Ouais. Exactement. Hop. Et de toute façon, on va aller à Artois après le prochain tour. Ouais, c'est clair. On va prendre l'invocation de Néek. On va lui prendre un peu de magie. On le prendra gardien. Ouais, on va lui prendre le gardien éternel directement, je pense. Donc ça donne quoi? Capacité d'amélioration. Bon, ok. Ok. En République plus 1. Ah non, ça va, j'ai rien perdu. Enfin, j'ai perdu un peu de thunes, ça me fait perdre un peu de thunes, mais c'est pas énorme. Bon, de la croissance ici, ok. Il me faut quoi? Il me faut 2 de surpopulation, on va booster ça, ça coûte 3000. On est bon. Moi, prochain tour, c'est parti. Hein. Faction rencontrée, okay. Bretonnie. Quel? Je vais trouver celle à faire. Tu vas t'attaquer aux elfes sylvains aussi? Oui, par la suite, mais pas tout de suite. Hein. Oh non, mais je demandais un truc, si tu corromps leur territoire, est-ce que tu prends quand même des dégâts? Vu que c'est un truc un peu particulier quand même. Je pense que tu peux pas monter à 50% de corruption là-bas, hein, si t'as pas un territoire. Je sais pas. Question que je me pose. My puppets die. Putain, j'ai Windows qui me fait des mises à jour à la... Tu vas faire quoi? Tu vas la raser, Venaloff? Ah non, tu vas la prendre, je suis bête, non, c'est, non ça a trop... Je me mets fou, ouais, non, tranquille. Ouais. Je vais l'attaquer. Bon, ça serait une belle bataille, parce qu'ils ont quand même du lourd à Walden. Même si c'est... Ils ont quand même une horreur des creeps, ils ont 3 goûts. Il y a de quoi. Ah oui. Ça, faut que je me mette full, quand même. Ouais. Alors, en compétence. La provocation de Néek, ça c'est clair et net. Et après, on tira sur... Bah, la malédiction d'un non-mort pour avoir le sort de groupe. Hein. Ça, c'est quand même. Et c'est à toi. Ah, ça va vite le début de partie. Hein. Ah oui, bah ça, c'est clair. Hein.
On a déjà fait une grosse bataille, c'est déjà pas mal. Ouais. On va peut-être avoir des potes, hein, pas loin, là, avec... Si on a les pirates qui sont pas très loin. Ah, peut-être, on va voir, ouais. Mais toi, de toute façon, Moussillon, faut que tu t'en fasses. Ah bah Moussillon, je vais essayer de les confédérer. Bah, il faut... Moi, j'ai tenté de faire pari avec les von Karstein. Oh putain, ils ont pris Marienburg, les Bretoniens. Bah. Putain, les Bretoniens, ils ont... Putain. Ils font toujours ça, des parties, ils prennent toujours Marienburg. Ah, ils arrivent rarement à la prendre, là, ils sont... Ils rigolent, moi, à chaque partie que je fais, ils la prennent. Ah ouais, bon, j'espère qu'ils vont se la faire péter après. Bah, ils ont pris Grunzint aussi. Alors, des baisers de sang, tu peux en avoir en assassinant des personnages, des chefs de faction, et en vassalisant d'autres. D'accord. Si jamais. Très bien. Alors. Du coup, on va faire la bataille d'Artois. Hop. J'ai toujours 3 ghouls, je peux la faire de dehors. On va quand même recruter. Regrosse bataille au prochain tour, je pense, quand même. Là, il se barre. Il se barre, bah écoute, hein. Je vais construire un bélier aussi, hein. Tire-toi. Comment ça se passe au niveau? Ah mais y a pas d'ordre public en plus. C'est trop bien ça. Ah là, au poste de la pierre noire, j'ai pas d'ordre public. Ah ouais. Bah tant mieux. Comment ça... Ah mais c'est juste un... En fait c'est... c'est juste un concours de circonstances en fait. Hein. Ah d'accord. Ah, ah oui effectivement, ouais, d'accord. Ouais. C'est drôle quand même. Bah écoute, on va stopper. Hein. Mon tour. Vas-y. Tu construis des engins de siège? Ouais, un bélier, je suis obligé. Ouais. On va faire ta bataille. Ah, attends. Je travaille un peu dans le large quand même. Alors toi, t'as une mission très importante, ce sera de choper les gardes des... T'arrives pas à péter, à enlever tes zombies pour les remplacer par des gars squelettes? Tu sais, si tu te balades, va sur leur territoire, là, juste pour regarder ce que tu peux... Ah, t'as plus de thunes? De toute façon, j'ai pas de guerrier, j'ai pas de squelette, donc... Alors, est-ce qu'on la joue? Non, écoute, on va les laisser sortir. Tu les laisses sortir? Attends, la question c'est, est-ce que si j'attaque, est-ce qu'on est sur une... Ou bien est-ce qu'on est en campagne? Pardon, est-ce que c'est pas dit? Ouais, ça va être focus sur les horreurs des cryptes là. Ouais, carrément. Donc je te filerai les lanciers, puis le seigneur, puis les loups. Ouais. Les loups sont hyper aussi, donc profite-en. Ouais, ouais. Je vais échanger par derrière. Bah, si je me base sur ce que fait l'IA, il va lui foutre au milieu de sa mêlée. Je vais attendre avant de déployer les miennes de. Je vais voir s'il n'y a pas de la forêt. Pour les laisser planquer jusqu'à ce que les leurs aient chargé. T'as un petit bout de forêt à droite, moi je peux me mettre derrière. Si... Mm. Ou à côté. De toute façon, là je vais les laisser venir. Hein. Je vais les laisser approcher. Ça c'est important, Temple of, quand tu joues les von Karstein, faut directement les latter tout de suite. Ouais. Moi j'ai fait l'erreur d'attendre puis de prendre mon temps, j'ai eu des emmerdes. De toute façon faut être agressif dans le jeu. Quand t'arrives dans une difficulté, attendre ça sert à rien. Dépend les factions. Alors. Tiens, on prend ça. Prends les qui sont anti-large aussi. On va se faire une petite frontline de zombies. Est-ce que ça fait plaisir? Alors ce qui serait cool c'est qu'on se mette ici. Dis-moi où. Comme ça. Ah bah c'est exactement où je me suis mis. Ouais. Assez loin de la forêt. Que...
Je vais mettre une ici. Et je vais me déployer très large comme ça. Vas-y, déploie-toi et je te me déploierai après. Ouais, ok, voilà. Juste faire comme ça. Voilà, je suis prêt quand tu veux. Allez, go. Ok, ne bouge pas, on va voir où sont les actions. Elles sont au milieu de la bataille, elles sont au milieu du champ. Ouais, j'ai mis un. Fous les squelettes où tu veux. Fous les lanciers où tu veux. Ça qui est de la goule. Ah, tu vois, ils vont venir dans les champs là, ce que je voulais pas, putain. Ils vont te repérer. Sinon, j'ai envoyé des guerriers squelettes pour le tempo. Je vais essayer de leur faire un petit tour. Vas-y. Ah, ils attaquent les guerriers squelettes, j'ai réussi à t'en poser une. C'est déjà bien. Allez, de ce côté. Allez, on envoie les zombies. On met tout ce beau monde. Horreur des cryptes sur le côté droite. Ouais. Et. Engagé, c'est là. I lust for battle. Ah, nickel, le petit contournement. Toi, tu vas te renforcer. Tiens, on va y voir tes piquets comme ça là, au milieu de la forêt. Je l'envoie là. Bah, il sert à rien, il va y attendre. Attends, aller choper les chiens quoi. De rien. Give them death. Pareil, t'as des guerriers squelettes qui sont au milieu de la carte avec ta charrette. La charrette elle buff personne là. Elle est pas portée là, tu crois ? Non. Ah si, c'est bon, elle a une grosse portée, ça. Ghost, on va venir ici. Il soutient son flanche avec... les chiens, faire les reclus, j'ai plus d'avoir de plus. Ouais. J'attends juste d'avoir de quoi faire une régène. Ouais, justement. Oh bah bien, dégâts des armes 15, plus que c'est large 14. Ils sont pratiquement full dégâts anti-large sur leur plate. Ah, ils se font éclater les ghouls par les... je vais les dégager. Ah. Ouais, ils ont quand même pris cher. Hein. Allez, ça c'est vraiment des bugs de merde ça. Ouais, les bugs de la cavalerie là quand ouais. Tu reviens de son arrière. Je vais essayer de retirer, mais garde les trucs de la mauvaise. Oh putain, le Mugugors il est en train de se faire éclater. Ouais. Il est où? Par le seigneur ennemi là. Je le fais reculer un peu, je vais me balancer un heal dessus. Oh, je suis en train de perdre les loups aussi. Je vais essayer de leur balancer une petite régène. Ouais,
Ah ouais, bah il a failli se faire fracasser, ouais. Un peu plus s'il y passait. Ouais. Tiens, balance barre tes lancers qui sont dans la forêt là sous les. Je pense que le guerrier devrait tenir. Ah, tu penses? Oui. Oui. Sachant qu'il y a une unité qui est en train de plier là. Putain, il se replie, ça, les salopes. T'as des lanciers qui... Ah, c'est les miens. Moi, j'ai pas de lanciers. Ouais. Ah, elle est pas gagnée, celle-là. Hein? Elle est pas gagnée, celle-là, encore. Hein. Non. Tes lanciers, ils foutent rien, là. Où? T'as affecté par les chauves-souris, je crois. Oui, c'est bon. On va être lancé contre les gardes décryptés, ils foutent rien. Ah, mais oui, putain, mais qu'est-ce qu'ils font avec les idées? Ils ont été interceptés par les chauves-souris. Je les ai abris. Si t'arrives à intercepter le héros ennemi, il est en train de courser mon Wildman Gorst. Au secours! C'est bon ça. Tout va bien, je suis là. Oh, il y a des creeps qui se bat. Non, on mourrait pas, vous. Attaque! On va aller au finest. Peut-être pas. Oui, ils sont morts. Ah, je peux plus les focus. Maximum de régénération. Allez, bah, on va les faire charger pour la gloire, du coup. On va les faire charger pour essayer de faire un ou deux kills en plus. Avant de mourir. Ah, c'est le problème des nuits, ils sont fragiles. Ok, les horreurs fuient. Enfin, c'est des agréages. Ouais, normalement, ça va être bon, vas-y, accélère. Hein. Va falloir faire une grosse boulette sur leur seigneur. Tu vas bientôt pouvoir recruter mon frère, tu me diras. Quand j'aurai deux provinces de Sylvanie. Ouais. Ouais. Pour ça, faut que je latte les von Karstein. Ah oui! Alors je sais pas si je les latte ou si je les confédère, on verra ça. Ah oui, donc en fait tu l'as pas tout de suite quoi. Bah ça dépend, si je latte les von Karstein puis que je leur rote dessus. Ouais, mais t'auras pas Vlad quoi, c'est nul. Ouais, ça c'est sympa. Je préfère avoir Vlad que Manfred. Hein. Bon, les deux sont bien, hein, Manfred. Mais... D'ailleurs, tu me le perds pas. Hein. De qui? Elman Ghost? Ouais, Elman Ghost. Non. En gros, c'est en train de flancher, mais faut arriver à le buter sans leur seigneur. J'ai envoyé les gardes des creeps dessus.
J'arrive avec un Landgorst. Wow, fais attention. Hein. Bon, c'est bon, il est en train de sombrer là. Ah ouais, il est en train de plier là, il est en train de. Ah, là, voilà. Encore une belle bataille. On est à combien de temps de vidéo du coup? Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la mienne. On va stopper là. Ouais, on va stopper là. Ok. Et ouais, le prochain tour, on fait la mienne à Artois. Yep, prochain épisode. Écoute, je finis mon tour, puis on s'arrête là, quoi. Exactement. Tempelhof qui est plus trop une menace maintenant. Bon, ouais, ils sont finis, là. Ouais. Effectivement, je te conseille de... De voir si tu peux pas les confédérer, les petits bons de Kerstein. En tout cas, si ça me saoule, je les latte. Puis... Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que souvent l'IA fout les points. Comment dans ses héros, puis t'as pas Kerstein qui est optimisé. Bon, après, niveau 60, il sera optimisé. Hein. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'on a foutu de notre power les... pour les avoir level 60. J'ai ouais. Puis là, vu le début de partie. Ouais. Pas mine de rien, si tu, les conf... si tu vas vite, tu peux confédérer vite. Hein. Ouais. Enfin, là, je veux dire, au niveau de rang de puissance, ça se trouve, t'es pas mal. Hein. Bon, je sais pas. Puissance 138. Toi? Je suis rang de puissance 138. Bizarre. Ah, mais parce que t'as Elmangorst et c'est... il est pas considéré comme un seigneur bien puissant, quoi. Je sais pas si le seigneur fait quelque chose. Hein. Ah, si le seigneur et les unités de renom que t'as. Enfin, les unités que t'as, je veux dire. Après, t'as que des gardes des cryptes, quoi. La puissance des unités, la puissance du seigneur, tout. On peut s'arrêter là. Hein. Et ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, bah, prochain épisode, on ira faire la bataille du château d'Artois. Du côté de Martin, on a réussi, enfin, il a réussi à prendre la province de la Sylvanie orientale. Donc maintenant, place à la Sylvanie occidentale. Et pour ça, il va falloir prendre Schwarzeffen. Et donc, du coup, bah, faire le choix entre péter Manfred ou le confédéré. Et puis après, bah, ça va être parti sur l'Empire, hein, mon Martin. Oui, bah, gentiment. Et puis du coup, bah, du coup, nous on va avancer tranquillement, donc on va prendre Artois, et puis une fois qu'on aura Artois, on va se développer un petit peu, et je pense qu'on va aller directement péter la Bretonie pour Marienbourg pour la thune. Et ben du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, et puis ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. En tout cas, je vous dis à très bientôt avec Martin pour la suite des aventures des contes vampires. Allez, ciao. Ciao.